Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le retour de course chez l'Étoile du Cœur. Donc, ça fait un moment que je n'en avais pas fait, ça fait un moment que j'y suis pas allée d'ailleurs. J'en ai eu pour 11 euros pour tous les produits que vous voyez là. Donc, principalement des dates courtes. Évidemment, j'essaie de recompter dans ma tête. Ouais, ben c'est bizarre. Je crois que ça, il les a comptés 2 euros. Ce qui expliquerait. Je crois que c'était 2 euros, c'est pour ça. Donc, du coup, j'ai pris principalement des yaourts et compotes. Donc, on a les compotes Andros dessert fruits. Donc, c'est du 12 pots. Donc, c'était à 2 euros. Donc, je pense que c'est à peu près un petit poil moins cher que ce qu'il y a dans les. C'est les prix d'il y a 10 ans, quoi. Un petit peu moins cher que les prix qu'il y a dans le commerce. Donc, c'est en date du 22 février. Donc, on est le 8 ou le 9, je sais plus, je crois qu'on est le 8. Ensuite, pareil, pour la même date, non, ça c'est le 29 février. Ouais, pour une fois qu'il y a un 29, ça nous permet d'avoir un jour de plus. Donc là, on a Andros, je dis n'importe quoi. On a Andros dessert fruitier également. Ce coup-ci, c'est. Alors, on a toujours pomme nature, on a pomme fraise, pomme cerise, pomme cassis. Donc, c'était à 2 euros chacun. Celui-là, il était à 2 euros aussi. C'est les yaourts nature au sucre de canne. De la marque Belle France, du coup, ça va jusqu'au 21 février. Sachant que les yaourts, je trouve que ça part plutôt vite. Donc 2 euros, 2 euros, 2 euros, donc ça fait 6 euros. Et là, normalement, il m'a dit 3,50 les deux au lieu de 4. Ce qui fait qu'ils en comptent 8,50. 9,50. Et moi, je ne sais pas comment il a compté. Je ne sais pas comment il a compté. Celui-là, donc c'est de la. J'en ai eu pour 11 euros, ça c'est sûr. Ça, c'est du coup de la compote casino, pomme mangue. Ou alors il m'a compté 1,50 les deux. Ça pourrait expliquer. Si on fait 6, 6, 7,5, 8,5, plus 2,50. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc du coup, j'en ai eu 2 pour 1,50. Ça, du coup, je. Le deal les pâtes carbonara était 1,50 € et il m'a dit que comme j'avais pris beaucoup de trucs, il me laissait 1 euro. Donc là, je sais que Bruno n'est pas fan du tout de ce type de préparation. Moi non plus, j'aime pas les pasta box, le stu cru. Enfin, oui, sincèrement, c'est pas pour ça que j'ai mon appétence, mais là, c'était 1 euro. Je me dis, ça dépanne bien sur la semaine quand on n'a pas envie ou on n'a pas le temps de cuisiner. Elden Shoulders, donc celui-là, il est à 5 euros dans le commerce et là, je l'ai payé 2,50. C'est de la contenance. Alors, j'ai toutes les contenances dans mon placard. C'est 270. C'est Bruno qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pellicules. Donc, du coup, il se lave les cheveux exclusivement avec ça. Et ça, c'était le petit cadeau de la maison. Il nous a offert ça. Ça. Ouais. Sneaker, je crois que ça périmait en 2022. Je crois que c'est 10 octobre 2022. Je pense que c'est la date d'expiration. Enfin, c'est des déluos, mais bon, voilà. Donc voilà, c'est tout pour ce petit retour de course. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!